Bonjour mes épices, ça va? Moi ça va très bien. Je viens de me rappeler d'une citation ivoirienne là, c'est dans une chanson de Chantal Taïba. Pour ceux qui ne voient pas Chantal Taïba, ça va être un problème. Vous n'avez plus une vraie culture musicale. Ça sent que... Ça veut dire que tu ne peux pas cacher le caleçon du film Nanga du Cameroun et prétendre ne pas aimer le piment qui est fort. Oui! Par exemple, si tu aimes le piment doux, tu ne peux pas cacher le caleçon du film Nanga, alors que c'est qu'il va pouvoir être ton piment justement de la vie. Parce qu'au Cameroun, elles sont réputées. Oui, ok. Quand tu veux manger le piment de quelqu'un au Cameroun, tu demandes que c'est une film Nanga qui a fait ça. Tu te dis que oui, c'est une film Nanga. Tu la cherches personnellement et tu lui demandes que Marco, quand tu as écrasé le piment, c'est là. Est-ce que j'avais ton caleçon? Si elle te dit oui, il n'y a pas de problème, tu peux mettre le piment là. Parce que si elle te dit non, et te dit que ta tête va s'arracher. Dès que la fumée va sortir de tes cheveux, des oreilles. Oui! Vous savez que sur les films Nanga qui ont sauvé les Barantés à l'époque de Hitler. Ok. Et vous avez raconté l'histoire si Hitler a conquis tout le monde. Et dès que toute la terre entière était sous son joug, sauf un seul peuple, le peuple des Barantés, le peuple des Bamoun. Ah! Il est monté, il est descendu. Les Barantés ont dit qu'il n'y a jamais d'abord que Barantés, mais vous savez que vous avez dit Barantés. Barantés avaient dit les gens qui ne se soumettent pas. Oui! Ok. Ils sont arrivés ici là, ils sont arrivés là-bas au Cameroun parce que je suis au Cameroun, ça y voyage beaucoup. Ils sont arrivés au Cameroun. Ils ont commencé à soumettre tous les autres peuples. Le peuple Bamoun, le peuple Barantés a dit que jamais gang, on ne fléchit pas les genoux. Il les a envoyés directement, Natigal. Je crois qu'il s'appelait Natigal. Otto von Bismarck. C'est lui qui l'avait envoyé. Quand Otto von Bismarck est arrivé au Cameroun, il a tout fait, rien. Il a dit que merde, c'est quel peuple ça? Il a dépêché toute une armée. L'armée a commencé à ravager l'ouest parce que tout l'ouest n'était pas conquis. Hein. On dit une ouest, un ouest. L'ouest, voilà, n'était pas conquis. Ils ont commencé à conquérir l'ouest un peu. Ils ont encore tout conquis. Ils arrivent à mettre la bande. Les bandes disent que non, tu ne peux même pas. Jamais de la vie, nous refusons. C'est comme ça qu'il a dit que c'est quand donc c'était très fort. Comme ça qu'il a dit que là, je crois que le Cameroun, les Américains du Cameroun, là, méritent que j'envoie ma vraie armée. Il a dépêché son armée qui était aux États-Unis là-bas, qui était en train de se mettre les Américains, que descendez au Cameroun. Vous voyez comment on a secoué le monde. Oh, le Cameroun est trop fort. Hein? C'est pour ça que les gars descendent au Cameroun. Ils ont commencé à prendre un peu. C'est comme ça que Mangoluna, la danseuse du Rwanda, vous connaissez bien Mangoluna, la danseuse du Rwanda, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, vous avez une culture très, 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 très basse. Bref, avant qu'elle soit danseuse du Rwanda, Mangoluna, c'est une femme très laide que personne voulait épouser, la fille d'Enji. Enji, son notable Bamoun. Elle, c'est son travail, elle était nécessairement pour être marabout. Et elle avait le don de faire le piment sauvage, le piment qui tue, le piment qui chauffe. Dès qu'elle fait ça sans raison comme ça, là, non, le piment peut tuer toute une population. C'est pour ça qu'elle n'a pas dit au roi que, mon roi, je peux faire quelque chose qui peut nous sauver et sauver tout le peuple camerounais. Le roi dit que quoi? Elle explique au roi que quand je fais mon piment sans raison, ça tue les gens, ça brûle, c'est un piment très fort. Le roi lui dit qu'il faut donc faire, c'est dire au roi que la seule condition c'est que je danse pour toi, j'ai toujours voulu être une danseuse pour toi, mon roi. Le roi lui dit que ok, il faut danser Mangoluna, danse. Il a dit à Mamoun que chame chachou. C'est pour ça qu'il avait dit à Mamoun, ça veut dire que danse devant ton roi. C'est pour ça que Mangoluna a dansé devant le roi. La nuit était 2 heures, elle a dansé toute nue avec seulement les bracelets sur elle, dansé. Après il a plu, qu'elle a donc pu, elle est passée écrasée piment devant toute la population. C'était la magie. Elle a fait les fûts de piment, beaucoup de piment qu'elle a décalé sans raison. Dès que les Allemands avaient Otto von Bismarck ont dépassé un peu Barenté, ils ont traversé le Noun. Parce que le Noun, c'est pas Barenté et Fumban. Dès qu'ils ont dépassé, il y avait la porte de Fumban. Il y a un grand truc là, à la porte de Fumban. Dès qu'ils sont arrivés là-bas, ils ont cru qu'ils allaient entrer. Coucou, maman, on les a versé les fûts de piment, on a versé le piment. Dès que le piment se versait sur leur peau, brûlait, ils pleuraient. Vous connaissez encore les blancs. Ils pleuraient, ils criaient. Ouais! C'est comme ça que les Allemands ont fui, ils ont dit il était totalement dépassé. Il est resté comme ça, il n'avait plus rien parce que son armée là même qui est venue là, c'était sa seule armée. C'est comme ça qu'on a donc, on les a donc tous, la deuxième guerre mondiale, on les a tous battus là-bas. Non, la première guerre mondiale, la deuxième, première, bon, dans tous les cas, la guerre mondiale là, on les a tous battus là-bas. C'est à cause de nous que la guerre mondiale a été remportée contre les Allemands. Mais oui! C'est comme ça qu'il a dit que donc, j'ai pris tous les blancs, j'ai fait tous de mal, j'ai pu les assouvir, mais j'ai pas pu assouvir les noirs, non, jamais de la vie. C'est comme ça qu'il part alors, il se suicide. Ah, il se suicide. C'est comme ça qu'il s'est suicidé. Oh là là, quand on vous dit que nous sommes les, vous croyez que quoi, hein? Si vous voulez croire, moi, si vous voulez me croire, mais ceux qui me croient, c'est une bonne chose. Oh, merci. En tout cas, bye.